Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Le premier ministre Ariel Henry salue visite administratrice USAID Samantha Power dans le pays. Pendant le fait qu'on ait un geste coopération, ça pourra aider dans porter réponse à besoin urgent dans la commune et section communale qui frappait dans la catastrophe 14 d'août. Le chef gouvernement expliqué dans le niveau pouvoir, il y a travail pour permettre l'activité économique de reprendre dans la zone qui touchait dans le tremblement de terre. Premier ministre Ariel Henry mandé l'autre ami Haïti dans la communauté internationale là faire solidarité avec victimes. Yo yon extrait dans micro pas qui c'est quoi avec mobile TNH. Nous sommes pays qui est en situation difficile au point social, politique et économique. Le tremblement de terre vient aggraver la situation. Dès les premières heures, dès les premières minutes, le tremblement de terre, nous avons témoigné la présence d'un monde qui vient connaître ça nous gagner. En plus, nous vient nous offrir nous aide pour nous chercher les gens qui sont enterrés en bas des combios. Nous voulons dire merci. Nous avons un grand défi devant nous. C'est que nous avons un bon monde qui est dans la rue, qui n'a pas gagné caille, qui a subi intempérie. Nous remercions les amis qui viennent aider nous. Ils nous permettent de nous prendre responsabilité, nous rendre peuple, nous assistance que besoin. Nous dit l'union fait la force. Nous apprécier solidarité zanmou. Nous apprécier solidarité moun ka viv nan communauté yo et qui a plongé même bay yon lot. Encore une fois, je dis merci pour phase aiguë, ça que nous avons bien vivre là, mais puis gros tâche que nous avons pour nous faire et c'est ensemble que nous avons fait. Puis grand tâche là, il faut que nous remettions sous pied et que l'économie dans la zone ça redémarre. Nous avons grande préoccupation pour l'école Timounio et nous remercions dès à présent Zamio qui décidé de nous coup de main pour que l'école reprenne. Pour aider nous prendre en charge urgence, le gouvernement américain offre nous on aide substantielle. Mardi, il faut solidarité à continuer et ensemble. Nous rebâtis Haïti ou Haïti meilleur. Ambassadeur américain en Haïti, Michel Sison Soubopal, présenté condoléances à peuple haïtien qui a traversé un moment difficile. Sa diplomate américain a déclaré gouvernement pays campé bon côté autorité haïtienne pour porter assistance by sinistré. Dans même occasion, commandant CID de l'armée américaine, là, Craig Foller, expliqué qu'il a mobilisé divers matériels pour faire intervention dans la zone qui subit dommages dans la catastrophe naturelle. Il y a un extrait avec Paki Saint-Croix et puis Daniel Saint-Théodore. Sharing our condolences. Comme ambassade américaine, nous voulons dire d'abord nous présenter un pile condoléances. Nous sentons un pile et nous voulons pour les haïtiens. Nous vraiment, nous sommes maniches là et nous voyons que c'est vraiment son réponse que tout gouvernement américain a porté. Government respond. Of course, our president. Nous pensons que tout le président Biden peut nommer administrateur USAID Samantha Fowler pour que gérer toutes les réponses du gouvernement américain. Donc nous comptons pour nous accueillir aujourd'hui et l'administrateur Fowler avec l'admiral Fowler, qui s'est le de sa commune, et M. le Premier ministre et M. Chandler, nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui pour nous voir et dans son réponse. In this time of need. Commandement sud de l'armée américaine là en toute force pour supporter réponse du gouvernement américain qui c'est administrateur Fowler. Et supporter tout ambassadeur américain et Michel Sison. Focus nous jusqu'à présent c'est que nous travaillons avec l'équipe locale nous, pour nous être capables de livrer aide humanitaire le plus rapidement que possible. Et Jean administrateur Fowler dit non. Tout souffle que nous récupérons montre nous que nous avons toujours un peu de travail pour nous. Nous avons un gros nombre d'hélicoptères, bateaux et avions de transport. Et en plus de ça, même équipement qui est vraiment passionné et qui est vraiment envie d'aider. Groupe Peter Agence, dirigé par Admiral Davis, qui travaille très près avec l'équipe de sécurité USAID et Haïtien. Nous pouvons continuer le travail sans été pour mener aide. Que nous avons besoin d'Haïtiens qui nous aident.
et puis administratrice agence américaine pour développement international Samantha Power annoncé gouvernement américain porter assistance à hauteur 32 millions de dollars américains par gouvernement haïtien pour porter réponse à trois départements dans grand sud là qui frappé dans tremblement de terre 14 août 2021 dans quatre visites li en Haïti jeudi 26 d'août là administratrice USAIDA Terran li dans département sud pour évaluer des gaillots côté profiter partager sympathie avec victimes yo Samantha Power promet administration Biden là à continuer porter solidarité by gouvernement haïtien en suite. I also wanted to thank the ambassador pour m'exprimer gros condoléances pour peuple haïtien qui a été affecté par le tremblement de terre dévastateur. Je remercie le premier ministre Henry de pour la journée avec nous et pour le leadership et vraiment dédication que Dr. Chandler présente par le haïtien. Je dis à nous avons une opportunité pour nous voir avec Dieu nous impact sur le tremblement de terre et nous voir toutes les réponses et interventions qu'a fait sur le terrain. Que USAID prend de ce côté 32 millions de dollars qui peuvent faire partie d'une réponse plus à long terme du gouvernement de USAID et du gouvernement américain pour supporter les gens qui sont affectés par le tremblement de terre. Pour le ministre Henry avec moi, nous souhaitons parler de qui ça que le gouvernement haïtien a comme priorité pour aider les haïtiens et comment non seulement USAID, non seulement le gouvernement américain, mais tout partenaire international est capable de mieux adresser les besoins de ça. 32 millions de dollars pour adresser les besoins que nous gagnons en termes d'abri, en termes de santé, en termes d'assistance alimentaire, pour réponse globale. L'autre nouvelle, Premier ministre Ariel Henry visitait département NIP mardi 24 août 2021. Pendant visite ça, Premier ministre Chita parlé avec représentant plusieurs secteurs dans la région sous décision qu'a prend pour porter aide à monde qui victime d'un tremblement de terre 14 août 2021. John Herbi Kasevi, ça dit non plus. Visite ça, c'est occasion pour Premier ministre Ariel Henry fourniger garder des gars tremblement de terre fait dans département NIP. Premier ministre là qui était gain clé chef cabinet li et puis ministre tourisme là chita parlé à représentant plusieurs secteurs dans département discussion yo gain rapport avec décision qu'a prend pour porter aide bay victimes séisme là. Objet visite là c'est montrer dimoun yo que nous comprenons souffrance yo n'a vie souffrance yo et nous pas venir partager peine yo mais nous venir dire tout gain espoir que si nous mettons ensemble si nous solidaires yon ak l'autre n'a levé sous pi bon pied. Ce coin en route, il commençait déjà, mais reconstruction des tout, mounio yo pas pour conduire. Après discussion yo, Premier ministre Henry visitait l'hôpital communautaire l'asile. Il était rendu tout dans deuxième section communale changeux pour constater des gars dans localité ça qui prend gros frappe dans tremblement de terre 14 août 2021. Responsable dans l'Université Technologie d'Haïti a annoncé qu'il a organisé une clinique mobile et puis pote kit manger bay moun nan population dans Grand Sud là vendredi 27 août là. Doyen science infirmière Unitec la Miss René Malbranche expliqué j'ai ça témoigné solidarité au manifesté avec victime tremblement de terre 14 août yo qui n'a difficulté pour répondre à quel besoin. Un suivant extrait dans micro cette fois pas qui ak André chéri. Le problème que je suis gagné, nous avons décidé avec étudiants de l'Université de technologie d'Haïti et recteur là, tout le monde va contribution pour nous capables de faire apparition dans le grand sud. Parce que tout le monde doit être capable de jouer une aide dans ce qui a contribué pour bailler. Nous allons aller avec des kits de bétadine, pansement, médicaments qui pas en pile mais quand même cap contribuer pour bailler une solution. Nous portons des kits alimentaires, kits pour nous rad parce que nous connaissons tout là dans bas des combres, donc nous portons c'est ça nous côté. Président Vision Haïti ak pour Mondlan, Pasteur Maxo Joseph Di, li mobilisé plusieurs organisations internationales pour porter aide humanitaire bay moun nan commune qui touché nan tremblement de terre 14 d'août là. Pasteur Maxo Joseph expliqué après visite li fait nan grand sud là, gen en pile moun qui nan difficulté pour répondre ak besoin yo. Nan sans ça, li di vi amo apparaît pour porter assistance bay victime yo. Nous mobilisons 50 pays
et tout pays ça a un seul objectif, c'est porter support venir en Haïti. Moi-même, comme pas seulement ambassadeur ça, même si ambassadeur de fédération protestante, lui-même qui est organe officiellement communauté protestante qui travaille en partenariat avec l'autre organisation, et c'est fondateur via mon vision pour Haïti et pour le monde, une organisation qui est dans la région en tout, dans 40 pays qui est en Haïti. Je dis que je vais utiliser l'organisation pour nous voir comment nous avons privé sur mon rapide. Donc, dans le premier moment, c'était contact pour nous faire, pour nous voir comment nous sommes capables d'arriver au cas Jérémy et NIP, qui te paraît très très difficile, mais comme nous avons présence sur tout le terrain, comme mon organisation locale via moi, ça te vient faire une idée rapide sur le gros problème que les zones ont été. Premier problème, c'était nous pas de réponse dans le moment pour nous aider à sauver les gens qui ont commencé à mourir tout partout. Mais une solidarité, et solidarité en fait de tout secteur, et qui baille des résultats. Nous voulons présenter un remerciement en tant qu'ambassadeur et fédération by des organisations qui ont fait intervention. Youn la donne Viamo, Vision pour Haïti pour le monde, et Samaritan Press, lui-même, qui est des pays à bénéficier de l'hôpital que nous vivons, joindre une possibilité, inaugurer, mettre en place lundi à Jean La Presse s'est constaté dans Oukai. Et avec l'hôpital, ça a des possibilités pour opération faite immédiate. Et ensemble de monde qui ont des problèmes, ils n'ont pas même besoin de venir à Port-au-Prince, ils ont un support rapide. Et ça n'est pas capable d'arrêter, ils sont obligés de voler avec eux à travers le transport qui est gagné, qui est le transport aérien. Avec avion, ils ont gagné, hélicoptère qui ont gagné, ils ont transporté tout le monde qui a besoin de support rapide pour être capable d'entrer à Port-au-Prince et aller dans l'autre base. Donc, Mabdou, ça marche très bien. En pile opération fait immédiat. Et en pile, monde commence à se sentir bien. Mais qu'on n'a pas encouragé l'autre partenaire nous pour continuer à faire ça dans NIP avec Jérémy. Association citoyen protecteur environnement encourager l'État et la société civile mettez bon gens et strictes campés pour capable gérer catastrophe naturelle dans le pays. Coordonnateur association Lionel Edouard Coué gain bon gens réflexion qui doit faite pour limiter des dégâts les gain catastrophe dans le pays. Lionel Edouard a participé dans l'émission mise au point sous TNH jeudi 26 d'août 2021 en suivant. Au cas que nous avons géré depuis avant le tremblement de terre à terre. Nous sommes bien simples. Nous connaissons vivre dans une zone à haut risque sismique parce qu'il y a plusieurs failles. Et nous avons regardé les cartes que le professeur Prépetit a présenté récemment. Nous rendons compte justement en deux cartes ça que tout le pays a des failles. Il y a qui, je ne dis en activité, il pas en activité, mais tout le pays a des failles. Il fallait, depuis 2010, établir non seulement une cartographie, zone à risque, mais également une vision politique de gestion de l'aide au cas où tu as un problème. C'est la raison pour laquelle je me dis que abri, l'aide d'affaires, si je me dis que je suis prédisposé à un série de abri, un série de département, mais il était clair que abri, ça nous fait en fonction des risques sismiques, mais également en fonction des risques liés aux aléas météorologiques. Mais ça n'a jamais été fait. C'est une des raisons, je dis, où on rend compte que 14 coups de fil mobilier, et bien je vous dis, l'État te fait un appel à l'aide. Je vous dis, aide Bali, mais il y a des problèmes pour distribuer l'aide là. Et vous regardez, obligé de particuliers, malgré que vous n'avez pas de particuliers entrer dans la bagarre là, mais qui est obligé de mettre camion à disposition, capable de chercher un seul de l'autre côté pour faire balle arriver sur un seul de monde qui l'ont dans le pays. Vingo engorgement au niveau de l'État, parce que l'État n'est pas préparé pour te gérer ça. Le cap dit ça, vous voulez, mais il est clair qu'on a, dans tout le monde, que nous n'avons pas en mesure pour te gérer ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, 14 août passé déjà, a bien l'autre tremblement de terre en Haïti, malheureusement. Mais depuis aujourd'hui, là, la société civile, je n'ai pas parlé, tout à l'heure, qui se réservoir de connaissances et de compétences en notre pays, doit commencer à réfléchir justement sur une vision de gestion de l'aide, de gestion des catastrophes en Haïti. Parce que si nous ne faisons pas ça, à chaque fois que nous allons arriver, c'est l'opération pompier nous allons faire, côté un bon monde qui est victime, qui est en bas des comptes, n'a pas fait un, deux, trois jours, semaine, nous pas arriver sur eux pour nous mettre à l'aéroport, pour nous mettre à l'aéroport, pour nous mettre à l'aéroport. L'autre zone sud, là, pratiquement toute source de bois, nous n'avons pas de l'eau là-dedans parce que la terre est tellement brassée, et bien, sous cela, il y a de l'eau qui sale, nous n'avons pas de l'eau. Mais,
C'est des problèmes qui ont été résolus pendant 11 ans. Pour nous dire qu'on est une prédisposition qui fait dans la zone, là, ah, mais si tu as tremblé, mais côté n'a stocké de l'eau, mais qui ça n'a fait pour nous amener de l'eau. Il n'y a pas de nécessité pour nous dire un stock stratégique. Non seulement un stock stratégique, mais des infrastructures qui sont appropriées pour nous reloger la population. Je dis à la société, on ne passe pas dans le prince encore, car il y a une population. On a voulu dans le Canada encore, Canada n'a pas capable encore. Qui ça n'a pas fait? Pas quand quelqu'un qui a répondu à la question ça, non là. Si nous avons 100 000 personnes dans la rue dans Port-au-Prince, qui ça n'a pas fait avec vous? Il y a un crise, c'est peut-être Port-au-Prince, mais ça a été élevé. Il est grave. 14 août. Il est plus grave. Il y a un vous jouez dans mon hôpital, il est plus grave. C'est simple. L'on vous jouez au CAF, il est plus grave. Donc, il faut être plus sérieux. Il a posé problème pays. On n'est pas qu'à poser problème pays, je dis, pour venir faire mon plaisir là-dedans. N'est au cas son pays, n'est au cas de pays. Il faut reconstruire le pays. Je nous annonce en titre, la police nationale disposait 6 millions de gourdes comme récompense pour n'importe qui qui t'a fait PNA joindre 3 mouns. Wendell Coctello, Joseph Félix Badio et John Joël Joseph. Ministre de Justice et Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, qui fait annonce là, fait qu'on est la police déjà joué une instruction pour continuer à arrêter tout le monde qui t'a impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit de 6 pour l'ouvrir. 7 juillet passé à dans Pèlerin 5 en de la Kaili. Maître Rockefeller Vincent souhaitait avant longtemps famille approche ancien chef d'État joindre justice. Midra Emilias, Max Joseph. Vous supportez, j'ai fait la police pour arrêter le monde qui est impliqué dans l'assassinat du président et Biguin Amaro, ministère de la Justice et Sécurité publique. Mettez une prime spéciale de 6 millions de gourdes sous tête 3 fugitifs importants à l'eau. Wendell Telocop, Joseph Félix Badio, John Joël Joseph, fort président, famille, proche, à tout peuple haïtien, joint justice. Je demande la police pour prendre bon gens disposition. Concernant les gens qui impliqués dans le dossier de la mort président, qui sont en prison, pour gagner une attention spéciale sur eux. Je demande à la population de rester calme et puis quitter la justice, faire travail. Justice, c'est force nation. Vivre en justice libre. Et puis qui est accessible à tout le monde. Vive la République d'Haïti. L'autre nouvelle, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, installé juge instruction Gary Aurélien dans Biroli, jeudi 26 d'août, dans le tribunal première instance. Là. Juge Aurélien pral instruit dossier assassinat ancien chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Maître Bernard Saint-Ville dit qu'il souhaitait magistrat Gary Aurélien jouer une collaboration tout acte dans l'appareil justice. Midra Emilias, Max Joseph, pour un extrait. Puis là officiellement nous balayons le bureau, nous balayons clé bureau. Avec le bureau pour le travail. Il était avec moi, il te dit, mais à partir de semaine prochaine, il va commencer. Tant de monde dans le dossier. Ça veut dire, officiellement, il a un bureau, ça veut dire qu'il va commencer le travail. On a souhaité tout salement de vous venir. Bon, on ne peut pas étaler là dans la poste pour me dire, mais salement de. Premier bagaille, il a besoin. C'est moyen pour le déplacer. Un dossier comme ça, c'est un dossier sensible, nous comprenons, il faut qu'il y ait un véhicule, une ou deux véhicules blindés. Nous venons faut que il a gagné des agents de sécurité qui à disposition même qu'on ait une disposition qu'à prendre pour satisfaire aux revendications pour mettre moyens à disposition du là bon pas prendre pas du jour au lendemain tout moyen va venir mais après c'est ça quand même pour nous commencer par moyen gain l'autre réquisition été faite qui était faite dans quatre dossiers mais c'est faut que exécuter pour que il a senti confortable par l'autre dit faut que mon en sécurité sécurité elle est avant tout d'autre psychologique. Sécurité, ce n'est pas qu'être mon azamou et d'ailleurs mon avec gilet pas balle. Il faut que l'on sente la sécurité. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une menace qui plane sur vous pour qu'on ait n'importe quel heure qui a tenté à vous. Ce n'est pas qu'être mon nom et d'ailleurs d'où je suis là. Non, pas de sécurité. Mais tout, il faut que l'on soit agressé pour repousser l'attaque là.
Et puis, collectif Défenseur Plus dit qu'il prend en considération nomination magistrat instructeur juge Gary Aurélien Capguin pour mener dossier assassinat président Jovenel Moïse. La collectif Défenseur Plus mandé autorité yo prend toutes mesures nécessaires pour accompagner magistrat dans enquête là pendant li exhorter magistrat Aurélien pour ne pas céder à chantage monde qui t'a supposé répondre à question la justice. Marie Dieudonne Hertel Max Joseph. Nous saluer courage juge Aurélien qui lui-même accepté et enquêter sur un dossier aussi important comme ça. Et nous encourager autorités judiciaires, ministère de la Justice, DCPJ, CSPJ, inspection générale, direction générale pour bail, magistrat, tout moyen qui nécessaire pour le capable de mener enquête li et pour le capable inculper moun ki pou inculper et moun ki devant qui déjà inculper dans dossier pour le faire suivi et pour bay suite des droits avec yo et nous exhorter magistrat pour le pas céder en bas pression des chantage des groupes politiques ou bien des groupes dans société civile là ou bien des secteurs économiques puissants pour faire quitter dossier pour faire déporter et Bonnet même j'ai avec juge Mathieu Chanlat. Au contraire, une série de monde nous pensait qui a parlé, qui a fait pression sur la justice, peut-être une série de très utile dans le cadre d'une enquête approfondie sur complice ou bien assassin intellectuel Jovenel Moïse ou bien assassin matériel ou bien rapport yo avec présumé coupable. Donc, nous pensons qu'il faut que le juge mette garçon dans ta lit, mette console dans ta lit, mette garçon sur lit, pour commencer à poser des actes d'instruction sans ne pas quitter ou instrumentaliser le dossier à des fins politiques. Ni le monde ne pouvoir pas instrumentaliser le dossier, ni la justice lui-même, ni le monde dans la société, ni l'autre monde dans l'opposition. Pas instrumentaliser un dossier aussi important que ça à des fins politiques. Et nous exhorter acteurs dans la société civile là, pour quitter magistrat travail en toute indépendance. On nous partit avec le proverbe qui dit au pied du mur, on reconnaît les vrais maçons. On nous quitte magistrat, comment se poser acte d'instruction. Comme ce n'est pas la première fois qu'il y a un nouveau magistrat instructeur, mais il y a un nouveau dans le système judiciaire, là, le fait que l'IT on paquetier. Donc, on paquetier, normalement, il y a des éléments d'enquête qui sont capables de mener et il y a des dossiers d'instruction qu'il travaille sur. Barreau Port-au-Prince, Tamay, mercredi 25 d'août, là, trois journées d'activité pour commémorer premier anniversaire assassinat ancien bâtonnier Port-au-Prince-là, Maître Montferrier d'Orval. Dans l'occasion, plusieurs personnalités dans Barreau étaient présents. Louis-Neige Jean-Louis, Maxo Joseph, compte rendu. Il y a eu plusieurs représentants divers Barreau dans le pays qui répondent présents dans la semaine d'activité pour marquer premier anniversaire assassinat ancien bâtonnier Port-au-Prince-là, Maître Montferrier d'Orval. Dans l'occasion, même conseil l'ordre à cabinet d'Orval exposé plusieurs œuvres anciens bâtonniers. Nous avons une conférence avec les bâtonniers. Nous avons le président de la Fédération des barreaux, nous avons un bâtonnier Gervais Scholl, nous avons Colossi Hercule, nous avons Stanley Gaston qui a intervenu pour nous. Nous avons un membre de la Fédération des barreaux qui a intervenu pour nous tous, M. Evans Suisse qui a intervenu. Nous avons le bâtonnier Vatier de Paris qui a intervenu. Nous avons le Jembe qui a intervenu pour nous. Donc pour tout bâtonnier, vous venez là pour vous dire, pour vous parler de ce que c'est un bâtonnier, ce que c'est assassiner un bâtonnier, ce que ça représente. Nous avons fini par un messe de Requiem que nous avons fait chanter en mémoire de bâtonnier d'Orval. Nous avons fait chanter messe dans Bli, et puis après la messe, il y aura le mot du bâtonnier et le mot du 12e mois. Les 11 mots sont exposés là. Nous songeons que chaque mois toujours un mot, donc toutes 11 mots là. Donc 12e mois, nous avons dit le samedi, parce que c'est samedi qui a fait un an effectivement de l'assassinat. Mais Théodore Achille, une conférencier, souligne la nécessité pour un changement de régime politique, ça qui permet d'après lui, la crise sociale de résoudre dans le pays. Le régime politique, c'est encore un organe dans le corps humain. Il y a une vie pour un certain temps, la victime de déséquilibre et la mourir. Un régime,
il y a une série de monde qui vivent là-dedans, ok, qui ont des exigences, qui ont des demandes. L'État, c'est voir qui gens la répondre aux demandes de la population. Lorsque l'IPAC répond aux besoins de la population, non pas parce que le pavlé, parce que le pas gain moyen, ok, à ce moment-là, ou a bien des conflits dans la société, ok, conflits prend la forme bien souvent de crise. C'est pour ça qu'on parlait de crise sociale. Donc, l'on crise sociale, eh bien, ça qui passait, communauté a formé avec citoyens, ils ont demandé changement de régime. Là. Donc, on est en cours de Dorval, il fait comprendre, il toujours sous position ça, que l'on n'a pas respecté la constitution, côté gagné une série de principes, ils ont créé crise. Mais Medoval expliquait, il y a plusieurs mondes qui sont responsables de crise. Le gouvernement qui est responsable de crise là lui-même. Les citoyens qui sont responsables de crise là, qui sont responsables de crise lui-même. Les institutions qui sont responsables de crise lui-même. Série activités ça y est réalisé dans perspective pour continuer à faire promotion rêve ancien bâtonnier te gagner pour une société égalitaire d'après organisateur. 28 août 2021, pral marqué yon l'année depuis nèg exam assassiné bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince-Lan, maître Montferrier Dorval. D'après sa maître Wilgi Beroussia expliqué, nan niveau la justice, toujours gen difficulté pour dossier ça avancé. Avocat qui t'a participé dans émission mise au point sous TNH, mandé autorité yo créé conditions pour instruction sous dossier ça rapoursuivre. Maître Wilgi Beroussia t'a répondu. Une question, Jean-Serge Gignolendor. En principe, lorsque il y a une instruction à faire ou bien un crime ou une infraction quelconque qui produit, premier monde pour tendre, c'est le monde qui était dans l'environnement immédiat victime. Là. Donc, le monde qui était témoin qui était là. Donc, c'est le premier monde pour tendre. C'est comme quoi nous avons dit dans la situation ancien président, premier monde qui tendre, c'est le monde qui était proche à la fois dans le palais national et à la fois à la CAI. Donc c'est le premier monde ça où doit attendre qui parle bas des pistes pour arriver côté braler. Ensuite c'est suspect qui doit attendre et puis après ou aller dans le monde qui déclare que nous cité dans quatre dossiers. Donc en tant que personnalité qui était dans l'environnement immédiat président, eh bien le juge d'instruction a fait appel à moi et il était attendu normalement. Il était attendu secrétaire de l'ordre là, maître Robinson Pierre lui puisque maître Dorval était dans donc il a fonctionné dans l'espace ça, donc c'est normal pour tendre avocat qui est dans le conseil de l'ordre ensemble avec lui et d'autres personnalités. Donc c'est une instruction qui t'a pas avancé, qui t'a bien avancé, mais dommage, situation politique ou du moins autre bloqué avancement dossier. Association haïtienne journaliste économique pour développement durable remet jeudi 26 d'août là prix bay gagnant concours reportage sur économie et finance. Association a été organisée. Concours a réuni un total 40 participants qui sortit dans 6 départements géographiques pays. Esaïe Aurelius, Laura Ordali, Jean-Jacques Cantrandi. Marie-André Bélange pour catégorie radio, Ronel Paul pour télévision et Robinson Bertrand pour presse écrit, c'est non, trois lauréats concours ça. Association haïtienne journaliste économique pour développement durable, te prend initiative ça pour encourager journalistes à traiter un ensemble dossier qui est capable plus utile à la société, a, si tout ça gagne pour eux avec économie. Une démarche tout pour aider jeunes professionnels la presse, yo, jouer une tribune pour exposer capacité yo avec professionnalisme. AGED, lui-même, lui bat tête, lui, ça comme objectif, c'est rendre accessible données sous affaires économiques et financières. Donc nous avons dit nous, que une façon pour nous faire, pour nous arriver, pour nous commencer à atteindre l'objectif, nous, c'est d'abord commencer à faciliter l'augmentation tant en qualité et en quantité production qui a passé dans les médias ou dans les affaires économiques et finances. Parce que la réalité a prouvé que la politique, lui-même seul, c'est lui qui prend plus place dans les débats, c'est lui plus monde bail place dans les médias. Donc nous pensons que le concours, ça, c'est l'abservi tremplin pour aider débat animé avec l'autre sujet, des sujets qui sont très importants
très sérieux pour développement pays à, pour avenir pays à, pour m'a dit pour changement paradigme dans la société. Participants ont expliqué méthodologie travail qui pour certains était difficile. Yo était quoi, c'est une démarche qui méritait encourager pendant yo remercier responsable AGEDIO. Par rapport avec les premiers prix moins remporté, tout simplement moins capable de dire c'est résultat travail qui baille parce que dans la vie, pas de chance. C'est vous-même qui provoquez chance par rapport avec le travail que vous-même avez fait. Ou travaille sous vous, généralement, moi-même toujours dit, qui pour bail de bons résultats ou bien ou travail en harmonie avec ça que vous souhaitez et puis la bail résultat. Ce n'est pas un cadeau parce que dans le sacrifice qui est fait pour m'arriver, pour mettre travail là, prendre rendez-vous pour interview pas facile. Sortir en pleine pour me venir faire dans centre-ville interview pas facile parce qu'à ce moment-là, je suis en congé. Ça veut dire que ce n'est pas facile du tout. Je ne pense pas que c'est son cadeau. Je pense que pour maintenir son couronnement de sacrifice, de détermination et de volonté également. Je prends ça comme occasion pour me tester la capacité et me arranger moins, me faire plein de travail moins et puis me soumettre au reportage là. Et puis bon, je dis à la c'est avec un sentiment de fierté parce que moi je suis conscient que ça me gagne comme capacité à effectivement les arriver loin. Ça veut dire. Et tout ça que je gagne comme bagage théorique et expérience que je gagne dans le métier, c'est un coup je viens conforter. Je viens conforter, mais il fait quoi que je vais aller plus loin. Concours national, reportage sur l'économie et la finance, réalisé avec support diverses institutions publiques et privées, tant que groupe Croissance, Banque République d'Haïti, ministère économie et finance. Il fait partie du travail association pour renforcer les membres et puis remplir mission la société qui s'est contribué dans le développement économique pays. Ministère Santé publique et population informé gen 12 nouveaux monde qui trapé maladie COVID-19 là. Résultat test sa yo publié vendredi 20 août passé d'après Ministère Santé publique et population. Pou kounya gen total 20845 cas confirmés, 3587 monde passé l'hôpital, 584 monde mouri ak 17563 l'autre qui guéri. Pendant ministère a salué mémoire compatriotes yo qui victime en bas COVID-19 là, li encourager tout monde pour continuer respecter principe l'hygiène yo tankou toujours mettre cache dès pour pral rencontrer l'autre monde, laver main, songe bay tout monde trois pas distance. MSPP souligné vaccin c'est pi bon moyen pour empêcher ou développer forme grave maladie a et puis relé 2020 pour joindre information sur vaccin COVID-19 là. Enquête sur assassinat président République là avancé. DCPJ transmet rapport li déjà by paquet qui lui-même acheminé dossier là dans décanat tribunal première instance Port-au-Prince là. Actuellement, il y a un juge d'instruction qui a un dossier à la main. Le rapport de CPJ a montré un pile d'efforts qui fait entre la police et le paquet. Il y a 173 actes d'enquête qui posaient. Il y a 61 armes à feu qui saisies. Gagné 10 ordinateurs qui confisqués. Il gagne 40480 dollars américains et 117475 goudes qui saisit et qui transmet dans le paquet. Gagné 44 individus qui arrêtés et qui déférés dans le paquet. Dans yo gagné 20 exécutants. Et 20 exécutants ça yo, c'est 18 Colombiens avec 2 Américains d'origine haïtienne. DCPJ a gagné 17 mandats d'amener contre les gens qui impliquaient, mais qui n'ont pas marron. Moi, passé instruction clé par la police pour mobiliser tout moyen pour mener les gens qui n'a marron sa yo, bay la justice. Tout le monde que l'instruction a trouvé important pour tende,
doit venir devant la justice, doit venir devant le juge là. Pas de dormi pour la police dans le dossier assassinat président République là. C'est un coup contre souveraineté pays. Konya, m'a adressé à moun qui chargé avec intention malveillant cap simaye rime tête en bas pour tenter assassiner caractère quelques moun yo vle régler contre yo avec yo. M'a metté tout moun sa yo en garde contre de massa. Ces mêmes gens yo t'ai utilisé stratégie ça que yo t'ai utilisé pour y arriver dans assassinat physique président. C'est celle du tribunal compétent qui a dit qui est qui coupable. Pas quitter moun qui intéressé dans dossier conduit nous dans erreur. M'a demandé pour la presse continuer faire travail qui s'éclairer j'ai société. Mais c'est pas participer dans brouiller pissio. Sous yon dossier sensible comme ça. Ça c'est jouet force fait noir yo qui pas souhaité la justice river sous yo. Et la justice abrivé sous yo quand même. Gagne une série de manipulateurs professionnels. C'est yo qui déterminé compétence et expérience tout juge. C'est yo qui connaît tout bagaille. Tout ça yo c'est stratégie pour brouiller piste enquête là. En ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique, j'insiste sur l'indépendance des trois grands pouvoirs de l'État et je tiens à rappeler qu'à l'heure actuelle, le traitement du dossier relève du pouvoir judiciaire et qu'il appartient à la justice de dire le droit. Je mets donc en garde quiconque voudrait faire le procès dans la presse. Grâce à l'intimidation, gare à l'intimidation et aux vaines tentatives de brouillage des pistes, une bête traquée prend souvent des tentatives désespérées, mais la justice finira par triompher. Machine justice là, pas camper. Quel que soit moun qui trempe dans la mort président république là, l'a subi sanction la loi. Ministère de la justice et sécurité publique déjà metté à disposition juge instructeur tout moyen logistique et sécuritaire li besoin pour mener enquête là. Moi mandé la police pour prendre bon gens disposition concernant moun qui impliqué dans dossier la mort président qui dans prison pour gagner yon attention spéciale sou yo. Moi mandé population rete calme et puis quitter la justice fait travail li et pour supporter j'ai fait la police pour arrêter moun qui impliqué dans l'assassinat du président et puis qui n'a marron. Ministère de la justice et sécurité publique mettez une prime spéciale de 6 millions de gourdes sous tête trois fugitifs importants à eux. Wendell Telococ, Joseph Félix Badio, John Joel Joseph,
faut que président, famille, proche li, et tout peuple haïtien joignent justice. Justice, c'est force nation. Vivions justice libre et puis qui est accessible à tout le monde. Vive la République d'Haïti. Et c'est la plus grosse section qui est dans la commune. Et la section ça qui est 133 localités là-dedans. Et c'est la section qui est plus frappée dans la commune Capérin. Et je vous dis, si vous regardez l'école Pirolala et l'école Saint-Agnès de Massine qui est placée, nous avons l'église Saint-Agnès de Massine qui est placée, nous avons un peu l'institution qui est placée, Mazno qui est plate à terre. Nous avons un collège Trinité plate à terre. Nous avons une majorité de l'église et institutions scolaires, toutes plates à terre. Moi-même personnellement, moi j'ai taille moins, rasé net. Moi j'ai un monde qui mourait de la taille moins, plus papa, qui était très grave, qui était dans l'hôpital communauté haïtienne, pas presque pour le moment. Et qui a un pile monde dans la communauté en tout, qui disparaît pour nos cas jeunes. Et que, moi tout bien, ici, à Campéré et à Maniche, nous faisons gros pertes en vie humaine. Et faire des détails, tout nous gagne, tout détail, nous pas jamais venu encore jusqu'à présent, il y a un grand groupe féroce là, c'est vraiment, vraiment difficile. Et si vous allez dans la ville Maniche, pas de ville Maniche encore, pour qu'on compte sur droite, à peine au moins 4 à 5 cas qui étaient dans la ville Maniche. Alors, en gros, je suis capable de dire que cette situation ça que nous avons enduré dans la circonscription Campéré Maniche. Nous travaillons de conseil avec la mairie, avec la protection civile. Il y a tout un travail pour être ça au cas où on est. La majorité des institutions qui sont là, qui ont porté support. Là, ils sont venus, ils sont passés en gargote, ils sont mal planifiés. Si ils ont une structure avec la protection civile, que la protection civile, lui-même, avec la mairie, met tête ensemble, ça vient pour la population de Cajouen, mais ils sont dépassés par les événements. Depuis que la machine a passé, ils ont campé, la population en grand groupe, ils ont tout envahi. Pour yon pran, mais pendant ce temps, moun vraiment qui victime yon, yon pas joine. Et je vous dis là, qui ça nous plus besoin, regardez si la pluie a tombé là, nous tous nous pas gagner là, c'est ça yon qui besoin de première nécessité que nous avons besoin là. Et après là, pâte, savon, ok, pour nous aider moun yon. Surtout des besoins sanitaires pour mesdames yon. Nous pouvons jouer ça yon. Moi je pense que c'est ça yon qui est urgent pour nous pour le moment. Mais rien passé par les événements, yon pas gagné dans mes yon posiables. Même de l'eau, la mairie pas gagné. Vous comprenez? Et j'ai une situation là, il paraît maniche. Pas ça gagne vrai, oui, mais distribution mal faite. Par exemple, il y a un camion venu depuis la ville, la population a grand goût de tout prendre. Vous comprenez dans la zone maniche. Et quand on fait un tour, si pas une structure pour séparation, en fait, c'est laver messieurs à terre. Quoi que dire, vous voyez aide, mais aide a mal séparé. Les gens qui ont besoin, c'est pas au capture. Nous gagnons pour maison d'études, c'est 17 123. Nous gagnons pour maison endommagée, 35 136. Parmi sinistrés, nous gagnons 54 747. Ensuite, nous gagnons au niveau de la commune Beaumont, 8 Jérémy, 6 Centreville Pestel. Nous gagnons 902 santé qui sont endommagés, 2 à Pestel, 1 à Ozo, 2 à Jérémy, 1 à Beaumont, 1 à Chambellan, 1 à Bozil-Caïmite, 2 à Corail. Nous gagnons 3 centres de santé qui sont totalement détruits. Youn c'est à la Tiboulière, youn il Karimit, l'autre là c'est Ozo. Nous avons 94 écoles qui sont totalement détruites, nous avons 85 qui sont endommagées. Nous avons 20 églises qui sont totalement détruites, nous avons 41 qui sont endommagées. En ce qui a trait à Pont-Grand, nous connaissons fortement endommagé, et j'en ai dit déjà. Et le ministre de TPTC lui interdit la circulation sur ce pont. Nous avons un bâtiment public qui est endommagé, c'est le complexe administratif Jérémien, nous avons un commissariat principal Jérémien, nous avons un commissariat Pestella, nous avons tout complexe administratif Beaumont, nous avons un bec Beaumont, prison civile Jérémy, commissariat de Corail, complexe administratif de Corail. Ensuite, nous gagnons Pont-Voldo-Glatou, Guinodé-Ozo,
qui subit dommage. Nous gagnons Waf Jérémy, Waf Anse de Noah qui fortement endommagé. Nous gagnons Ké Kouraï là qui endommagé. Ké Pestel là qui détruit. Sous le caïm, il y a des matériels de pêche qui disparaît. Nous gagnons Pestel, matériel de pêche toujours. Jérémy, même bagaille là. Nous gagnons rivière Tigilodé qui bloquait suite à un éboulement. Ensuite, nous gagnons un glissement de terrain au niveau de Malheur qui provoquait une rupture et de route qui reliait la Tibolière à Sassié. En termes d'action, qui fait depuis là, nous gagnons 7 rencontres de coordination qui fait. Nous gagnons un groupe de travail que nous mettons sous pied. Nous gagnons aide que nous faisons coordination distribution avec le comité communal, Corail, Pestel, Ilkaïmite, Beaumont, Jérémy. Nous avons un suivi qui fait sous opération recherche et sauvetage. Et bouleversé par la situation que moi-même m'occupe en tant que maire. Parce que le maire est toujours sollicité. Quel que soit sa gagnant, le maire est sollicité. Et le maire a toujours quelque chose à dire. Et le doux magistrat prend responsabilité. Celui à qui on n'a rien donné, on ne peut rien demander. Et lorsque vous parlez mon job, son travail, c'est pour les moyens de le faire. Les maires, qui moyens vous avez pour faire travail, pour faire zéro. Quel est le bilan? Zéro. Et c'est aussi le bilan de l'État. Car si vous voyez la marché, vous ne pouvez pas une provision. Vous ne pouvez pas mal acheter. Vous ne pouvez pas venir pour m'aider une provision. Vous ne pouvez pas me saboter alors que vous ne pouvez pas m'aider. Monsieur le ministre. Bon, et nous sommes que vous êtes compétent pour le job là. Mais savoir-faire, il faut lier le petit classe à tout ça que nous avons. Parce que ou bien 99, moi-même j'ai 1%. 99, ça on gagne, hein? Vous avez besoin de 1% maintenant pour mettre dans la phase pour là, pour faire face à la transbordée. Nous-mêmes, qui n'en mairie qui derrière, et pas pauvres que nous pauvres seulement, nous sommes des éléments écartés. Nous relais nous éléments du dehors, nous gagnons en déhonnête. Nous autres, les habitants du pays profond, qui viennent de la campagne, tels que Anse de Noah, Beaumont, Dame Marie, Iwa. Nous ne pouvons pas voir nous dans la guerre, nous ne pas inscrire, nous ne pas la donner. On va parler de code d'administration, de coordination. Quel type de coordination? Quelle qualité de coordination? Est-ce que coordonnancière départementale là et puis le milieu? Non. Nous-mêmes, les RIAO, si quelque chose, tout ce qu'on va faire, si nous-mêmes, les maires, nous ne pas impliquer, pour zéro. Et si nous-mêmes, qui parlons ce travail là pour nous, lorsque nous-mêmes ordonnés, nous-mêmes nous obéissons. Job Bao, c'est réellement de nous. Travail pour nous faire, est-ce qu'il fait? Travail que nous faire, est-ce qu'il supervise? Vous voyez, superviseur, viens galer sur le terrain. S'il fait. Tout ça nous dit à ces belles paroles. Acta non verba. Nous avons besoin d'action. Action, on ne peut pas arriver à la caille nous parce que la caille nous zéro. Imaginons, il y a payé, il y a 18 mois, je ne peux pas payer au dollar. Nous savons, est-ce qu'on pense, mais il y a pas le doux, nous devons baler ça, pour la rien dans l'État, ça, et parce que l'État n'a pas balé. Moi-même, ce côté-là, il y a une quinzaine de jours depuis que je suis là. 15 jours. 15 jours. Et commune comme ce qu'il y a, je suis là. Je besoin au moins un mot mal dire pour me calmer, pour me dire, mais ça tel ministre, mais ça tel Dieu, tel Dieu, je crée notre code là, mais ça code là. Moi, imaginez, c'est le va-et-vient. Avant hier, après que je me suis malé la caille, il y a 2h du matin. Je m'a même dormi maintenant parce que je connais quelqu'un pour me dire comme je me suis là. Son plaisir pour moi, son honneur pour moi. Je me sens honoré du fait que je suis là, et que vous-même, vous m'avez dit. Je n'ai rien dit qu'il soit accès pour nous dans la caille. Parce que de deux. Et honorable. L'homme malade, vous avez la prière pour lui. Si vous avez la foi, bon Dieu a guéri. Mais l'homme mon gangou, il va la prière pour mon gangou. À celui qui a faim, on ne donne que le pain. Allez, gangou, mon gangou, même dans le bon temps, et voir pour hier. Lorsque tout ça est bien, il faut abandonner. N'a pas les urgences, 9 jours d'urgence. Si mon gars est malade, ça en fait pour lui. Si bois le café, ça en fait pour lui. Si j'ai le pété, qui a été urgence. Les gros maladies que nous sommes capables de souffrir pour garder en Haïti, c'est comme nous. Nous avons une fin maladive.
une fin maladive, car grand doit tourner tout une extrême urgence. Car mon à l'hôpital, le lui fait docteur regarder, regarder il dit donc quand je mange, il dit mais ça va aller à mon qui respire. C'est mourir de pas mourir. Il a mourir dans le docteur, si pas de balle, on dit mourir dans la balle. Excellence. On va la faire là. 8 septembre, c'est fait la caille. Où est-ce même comme ministre? Qui ça me gagne qui voit ça me gagne moi-même, je vais aller sur le terrain. Puis je vois ça que moi-même, je fais. De mes propres moyens. Parce que je ne peux pas bosser pas un dollar pour si j'ai besoin de l'eau pour me boire. Moi, à profiter pour te voir. Collègues qui sont dans les Caraïbes, collègues qui sont dans le niveau commune Pestel, commune Corail, commune et Beaumont, commune Roseau, qui sont des sections qui touchaient sévèrement. Et si nous allons dans la commune Sayo, nous sommes capables de voir. Pourquoi nous moi-même, je suis voir, même j'ai appris les Amoué pour côté population jérémienne dans ce coin, moi profiter les amoué pour côté population ça au secours tout parce que yo en détresse, yo en extrême difficulté. Donc nous-mêmes et nous touché, mais yo même yo beaucoup plus touché que nous-mêmes. Donc c'est ça que fait moi-même moi obligé l'aime jeune opportunité pour nous les amoué pour mon capitaine de nous soit sur le territoire haïtien soit dans la communauté internationale pour elle qui mesure capable voler de toute urgence au secours moun sa yo. Gen des moun c'est qu'on y a découvert qui était perdu en bas éboulement. Il y a des côtés où pas de connaître si quelqu'un mourir. C'est qu'on est là, c'est quand on a fait mon découvrir quelqu'un qui mourit dans zone Zayo. Donc si l'un moment ça là, je dis en là fait nous 9 jours. Et puis pour ce qu'on est à découvrir mon, ça veut dire faut que nous aller au secours mon yo pour regarder surtout dans zone qui est beaucoup plus reculée yo. Là regarder fond cochon, là aller dans zone Annette pour arriver en laisser ça c'est réel. Donc c'est ça que fait me demander pour tout le monde qui attendait et intervention ça pour être capable de voyager le plus rapide que possible voler au secours moun sa yo. Actuellement là, il y a un problème de médicaments, il y a un problème de l'eau potable, il y a un problème de nourriture, il y a un problème de batte ou bien il y a un problème de tente parce que normalement, quand il y a un problème, pas habiter en bas. Et mon côté commune sa yo Mabdoula yo, ou bien section, de section communale sa yo Mabdoula, c'est que il y a non seulement un grand peu de monde qui mourit, mais quand il y a crasé, c'est quelques cas qui étaient. Et cas qui étaient pas même solide même. Donc ce que ça fait, c'est catastrophique. Même si vous parlez des départements qui ont compté 2-3 000 morts, mais situation grave parce que vous n'avez pas de côté pour dormir. Premier bagaille, la mairie de Jérémy a fait sortir une note qui dit aucun monde n'a pas de droit, pas d'accès à Kaïsaïo si ferme les portes définitivement pour mieux évacuer l'espace là. Maintenant, vous profitez de situation côté nous-mêmes n'a monté descendre pour nous qui ça nous capable dans terme d'aide pour nous porter ba population parce que nous pas dormir la nuit tellement n'a travail pour nous qui ça nous capable faire pour aider population gain des monde qui pas respecter ça nous dit qui al continuer et servir là donc al continuer ouvrir marchandise là pour après à partir de demain si Dieu veut ça yo n'a mettre en application au monde qui pas obtempérer n'a obligé passer à arrestation yo. Nous gain une nouvelle là c'est que premier ministre Ariel Henry li mette yon ministre chargé dans chaque département. Oui. Nous, moi-même, c'est ministre de l'environnement. Moi, la grandance, je viens dans la commune Corail parce que nous connaissons. Corail, c'est une commune qui est sévèrement touchée à séisme. Nous venons garder avec Dieu nous. Nous venons besoin de vice-délégué en parler, directeur départemental environnement en parler. Tout le monde explique besoin, mais nous venons garder avec genou parce que moi-même, moi bon devoir de me rentrer pour me travailler avec PM là, okay, pour nous capables de réagir. Okay? Oui. C'est pour nous dire que le gouvernement n'est pas insensible. Nous connaissons, mais nous connaissons moyen au pile. Ça nous gagne, nous avons contenté, nous avons séparé la famille, nous faisons en famille. Parce que faut que nous vivions, il faut que nous avançons à pays. Premier ministre Ariel Henry, jour qui était samedi 14 d'août après tremblement de terre la fin passé, il était mobilisé tout le gouvernement en Nakuna. Et là, il était mobilisé tout le gouvernement en Nakuna, il était engagé le gouvernement depuis lors pour porter un plan de réponse à la catastrophe ça, que en pile monde victime, que la population touchée, particulièrement
département NIP Sud Gredens. L'an avancé avec toute réflexion qui était faite. L'y fait un conseil des ministres à l'extraordinaire. Côté l'y engager 3 ministres pour assurer coordination, action, activité post-séisme qu'a fait dans le département NIP, dans le département Sud, dans le département Gredens. Moi-même, comme ministre de l'Environnement, j'étais engagé sous le département Gredens. Et j'aimerais te dire déjà, l'ayant causé, moi, j'ai fait avec la presse, moi, j'ai dit que moi, considéré l'engagement ça que j'ai gagné, vine dans Gredens, c'est quand il y a un appel. Un appel pour les gens qui font la Bible. Bon Dieu, qu'on ait les quelques serviteurs, les relayons, les relayons, les quelques patriarches, ils ont dit, me voici, envoie-moi. L'homme de jeunes appelle ça comme une grandance, que PM ne connaît pas si c'est une grandance, c'est le code nom de Marie-La Grandance. Même pas de juger nécessaire tout pour me signaler ça. Parce que quel que soit à côté où tu es voyé, l'homme est supposé aller comme un bon patriote. Mais le sentiment n'est grand dans moi et me tombe dans la grandance, c'est bon, une autre dimension. Qui te fait mon courage à deux bras, moi te prends mission. Et l'homme de prend mission, moi prends mission pour moi appliquer à la lettre, pour moi suivre à la lettre instruction PM la bail. PM la tient à ce que pour toute structure de coordination en termes de centre d'opération d'urgence, que ce soit au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal, au niveau local, faut yo activer, faut yo nous dynamiser yo et faut nous renforcer structure ça. L'ensemble ça, depuis le mouvement la grandance, moins vini et mettez chapeau bas devant autorité locale yo, que ce soit autorité locale, moins venant dans le département yo. Moi, je viens dans la commune, je viens dans la localité, je mets des chapeaux bas. Parce que moi, je viens, toute bagaille était déjà lancée, l'initiative était déjà lancée. Et tout le monde était sous deux pieds de guerre pour affronter la catastrophe naturelle, ça, une façon pour travailler pour la communauté, pour réparer la communauté, pour rester debout. Nous avons seulement fait un pile échange. Jean dit que, mais ensemble, Chai Palou, du choc des idées, jaillit la lumière. Nous avons fait un pile échange. Nous avons approfondi échange qui permettent ensemble. Nous faisons évaluation sur ça que nous avons gagné comme dispositif en termes d'organisation, dispositif organisationnel. Nous gardons structure coup de nous gardons coup de nous gardons coup de nous gardons qui gens pour nous renforcer capacité en termes de communication. En termes d'information. Nous regardons qui gens capacité capable de renforcer sur le plan opérationnel. Et tout ça te permet nous tout développer des stratégies et travailler tout sur des outils d'aide à la décision qui vous permettent que nous prenions l'information que nous gagnons, données que nous gagnons, nous interpréter, nous analyser de façon pour nous agir avec plus d'efficacité. Le souci, pour besoin qui identifié, il paraît sous forme prioritaire. Le souci, pour monde qui la nécessité, qui besoin, les rivets joignent exactement sans le pas faire ou le cocher. Le souci également pour nous faire une plus bonne gestion de ressources que nous gagnons, que ce soit ressources humaines, que ce soit ressources matérielles. Ça te conduit vers qui ça? Te conduit nous faire une cartographie de acteurs qui sont sous terrain, partenaires, toute organisation qui vient dans le cadre de la question catastrophe naturelle, qui vient pour te couler, ONG, Agence des Nations Unies, qui te fait nous te chita avec, pour nous expliquer clairement qui directive gouvernement bail, que le gouvernement a décidé de travailler sur un cadre de transparence, que le gouvernement a décidé que c'est autorités locales, c'est communautés, qui pour dire qui ça a besoin et qui gens yo voulez
pour localité, pour communauté, camper debout. Ça est extrêmement important pour nous te connaître. Qui permettent nous travailler avec partenaires tout sous priorité nationale la question urgence. Côté que, avec le son que nous tirons au niveau gouvernement, le son que nous apprenons, PM l'a voulu pour nous agir dans le cadre de transparence. Ça veut dire que toute information doit arriver à une population à temps. Sous ça que nous recevons, sous les gens qui distribuent, sous quantité de monde qui recevoir, sous qui côté vous allez. Ça, vous devez chiffrer, vous devez bailler, instance qui concerne vous, autorité compétente qui établit pour ça, coulio, devez partager information ça avec la population. C'est ça que fait PM là tout. Il dit qu'il faut que nous élargissions cadre de gouvernance là, pour nous intégrer d'autres acteurs là-dedans, qui sont dans cette population, notables en ville. Société civile, secteur des affaires, secteur privé, diaspora, pour nous intégrer là-dedans, que nous avons salué, parce que ces Haïtiens, ils ont pu coller en pile sur ce qu'ils ont fait là, pour aller au secours, pour venir au secours de la population. Nous élargissons le cadre là. Moi-même, particulièrement avec toute délégation qui était ensemble avec moi, qui composait de 4 ministères là, des techniciens en 2 ministères là, de membres cabinet moi et de experts que nous avons ensemble avec nous. Nous travaillons sur tout ça nous disons pour nous partager ça nous gagne en termes d'expertise et de connaissances et pour nous apprendre tout de l'autorité pour nous faire un seul travail, nous pas faire de travail. PM l'a engagé nous tous et il était instruction claire pour que non seulement nous agissions dans le cadre de transparence, pour nous avoir une approche de guichet unique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que toute information, toute aide, il y a recevoir, il y a distribuer, il y a gérer à partir d'un seul point, qui c'est coudlan, qui c'est couclan, qui c'est coulan. Ça veut dire que ces structures, ça, qui est là qui pour recevoir information, c'est eux qui là pour partager information, tout. C'est eux qui là pour recevoir aide, c'est eux qui là qui pour distribuer aide. Au niveau délégation, ils ont fait un pile gros effort. Secrétaire général délégation, Gandanson, il fait un pile effort. Jérémy, il fait un pile effort pour que l'été accompagne nous pendant la première phase mission ça. Et nous, la structure, la stratégie que nous développons, nous comprenons, il faut que nous fixions les responsabilités. Pour nous consolider, ça nous gagne comme acquis, il faut que nous coucou, coulio, assumer de responsabilité. Yo. Et fuck, délégation, yo tout, yo positionné, yo, l'ensens côté que, yo travail sous monitoring, sous supervision, et yo quitte coulio, fait travail, yo gen pour yo faire, et coulio quitte délégation, fait travail pour yo faire. Là, ça, c'est ça qui est les coordinations, c'est ça qui est les gestions, c'est ça qui est les planifications. Lorsque ça, vous ne jodiez, nous visitons déjà Corail, nous Pestel nous visiter. Nous avons des informations là même, nous avons des données là même, sur quantité de cas écrasés, sur quantité de monde qui mourit, sur obstacles, contraintes qui gagnent, la question est dure. Mais le nouveau souterrain, connaissance nous approfondie, vision nous en gens élargis et compréhension nous tout. Parce que, tendez à quoi c'est deux. Puisque M. Plan Pestel m'a dit à la population que Moun Pestel besoin de prier nous, Moun Pestel besoin de soutien nous, Moun Pestel besoin de solidarité nous, même j'ai avec toute l'autre commune a besoin de tout. Parce que Pestel à genoux. Pestel à genoux. Pas gagné un caille qui campait dans le centre-ville Pestel. Et ça nous gagne, nous venons d'essayer de professionnels en la ville Pestel, d'essayer de jeunes garçons, sociologues, agronomes, qui mettent ensemble avec l'autorité locale. Non seulement ils font appel à l'État, mais ils font appel à l'État, côté que ils offrent l'État, ils ont premier, vraiment, ça me décadit, ils ont un document de support en termes de stratégie qu'ils ont développé sur un plan d'intervention d'urgence. Et presque chaque commune gagne un plan d'intervention d'urgence, qui
qui pourra annexer avec rapport moi gagner pour me mettre PM là. Ça vient encourager plus pour me comprendre que engagement c'est un engagement national lié, c'est un engagement même monde dans communauté au prend, même Jean gouvernement prend engagement. Qui fait pour nous dire que gouvernement pas agir pour col et monde dans communauté pas agir pour col, c'est gouvernement avec communauté avec population qui pourra agir ensemble pour nous voir qui Jean que n'a pas travail pour pays nous changer, nous pourrons travailler pour communauté, pour département. L'ensemble ça, nous inviter et nous demander déjà à Koudio, Koukio, Koulio, pour bay moun yo information claire. Sous ça, vous recevez déjà, sous qui côté vous allez, qui quantité vous allez, dans qui communauté vous allez, qui quantité moun qui joignez vous, qui j'ai distribué. Et m'a profité pour me faire un appel avec frère monsieur mieux qui est en difficulté. Nous avons un problème, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas faire l'aide. Nous ne pouvons pas faire Tintin. Nous avons un problème, c'est vrai. Nous connaissons que moun Pestel, moun Kouraï, moun Grandans, moun Sud, moun Nip, moun dans tous quatre points pays, c'est haïtien nous. L'ayon aide à venir Pestel ou détourner ou prendre ou pas arranger la situation. Parce que catastrophe naturelle sont catastrophes naturelles liées, ce n'est pas le monde qui fait. Nous qu'à supporter. Mais l'on fait ça, c'est le monde qui fait. Et tout ce qu'on fait, ou capable de réfléchir mieux, ou capable d'agir autrement. C'est ça qui fait Mando pour agir autrement. Tout le monde, ça qui gagne, il n'y a pas en pile. Nous pas en pile, nous connaissons, mais nous mettons toute force pour nous mobiliser plus toujours pour nous joindre. Et ça que nous joignons, ça que nous gagnons, nous faisons un partage équitable avec vous. Il faut que tout le monde joigne et il faut que vous arriviez dans la section communale, il faut que vous arriviez dans toute localité. Ça veut dire que vous n'avez pas intérêt pour détourner rien. Vous n'avez pas intérêt pour frère avec soeur à souffrir à cause de vous-même. Baille toute communauté, tout le monde qui a vécu la même chance que vous voulez bailler tête ou en. Parce que nous tous là, nous tous ces haïtiens, et c'est la collé serré. Jean-PM l'a fait appel à la solidarité, à l'intégrité, à l'honnêteté. C'est là seulement que nous avons sorti la situation que nous y est. Il est vrai que l'important pour nous tendre aide. Nous avons aide matérielle, tout bagaille. Mais nous n'avons pas besoin d'aide pour lui. C'est lui-même qui fait un peuple. C'est lui-même qui fait une nation. Ça nous gagne la caille. Nous. L'heure pour nous unir. Nous. L'heure pour nous solidariser, serrer les coudes, l'une à l'autre. L'amour, charité, une à l'autre, il n'y a pas qu'à venir de l'international, il n'y a pas qu'à son aide liée. C'est là nous-mêmes liés, c'est ça qui fait nous sommes haïtiens, c'est ça qui fait nous sommes peuple, c'est ça qui fait nous résilients, c'est ça qui fait nous résistants. Nous avons besoin de valeur ça encore. Pour que nous camper, pour nous rester debout. Même si nous avons campé après Mathieu, il faut que nous camper après tremblement de terre là, et il faut que nous camper après quelque soit catastrophe naturelle qui vient pour arriver, il faut que nous camper un seul peuple, un seul monde. Alors, PM l'a engagé, le gouvernement l'a engagé et n'a pas assumé responsabilité. Nous mettons, fais nous confiance. As the U.S. Ambassador to Haiti, I want to say that all of us at U.S. Embassy Port-au-Prince are sharing our condolences with all of those in the South who lost loved ones. We've just come back from a trip to Maniche. It has been a whole of U.S. government response. Donc, comme ambassadeur américain, moi je l'ai dit, et d'abord, nous présenter un pile condoléances, nous sentons un pile et douleur pour les Parisiens. Et nous vraiment, nous sommes maniches là, et nous voyons que c'est vraiment son réponse que tout gouvernement américain a porté. Of course, our president, President Joe Biden, quickly named USAID Administrator Samantha Power to head the Nous tenons que tout de suite, président Biden a nommé administrateur USAID Samantha Power pour gérer toute réponse gouvernement américain. And we are proud to welcome her today along with Southcom Commander Admiral Craig Fowler, Mr. Prime Minister Dr. Chandler of the DPC. It has been an honor to lead our Port-au-Prince Embassy team as here as we support the people of Haiti in this time of need. Donc nous comptons pour nous accueillir aujourd'hui et administrateur Fowler avec et admiral Fowler.
qui s'est demandé de s'accorder. Et M. le Premier ministre et M. Jean-Léon, nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui pour nous voir et dans son réponse là. Before we start, avant I will just say a brief word about the devastating reports from Afghanistan today. Avant de commencer, on va commencer à parler des vrais rapports très dévastateurs que nous avons de l'Afghanistan aujourd'hui. While I do not have any new information to share, pendant que je n'ai pas de nouvelles informations pour partager, I just want to express my deep and heartfelt sorrow. Je veux exprimer vraiment pleinement et to all of those injured in today's attack, and to the families of those killed. I also want to join Ambassador Sisson in expressing my sincere condolences to the people of Haiti. Who have been affected by this devastating earthquake. I want to thank Prime Minister Henri for being here. And for the leadership and the dedication that he and Director General Chandler have demonstrated. Et pour leadership et vraiment dédication que lui-même avec Dr. Chandler et présenté par les Parisiens. Since the onset of this terrible disaster, depuis que le désastre a commencé, one that has taken the life of more than 2,000 Haitians, ça a tué plus que 2,000 Haïtiens, and upended the lives of hundreds of thousands. Et vient vraiment mettre la vie en pile monde tête en bas. I also want to thank Admiral Fowler, Ambassador Sisson, and Rear Admiral Davids. Je veux remercier Admiral Fowler, Ambassadeur Sisson et Admiral Davis, sorry, for their tremendous partnership. Pour tout partenariat que vous montrez nous. As we work to save lives and respond to the needs of as many people as we can here in Haiti. Pendant que nous travaillons ensemble pour sauver un maximum de vies de monde ici là. Though we all represent different parts of the U.S. government, malgré que nous chaque nous représentons des parties différentes du gouvernement américain, at the direction of President Biden, we have come together as one team. Sous leadership président Biden, nous venons mettre ensemble pour qu'une seule équipe. To coordinate a response that prizes the welfare and dignity of the Haitian people. Pour nous monter une réponse qui priorise bien-être et peuple haïtien. Today, we had the chance to witness the impact of the earthquake. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité pour nous voir avec Dieu nos impacts du tremblement de terre. And the response firsthand. Et nous avons toutes les réponses et interventions qui ont été faites sur terrain en tout. First, we flew over the affected terrain. D'abord, nous avons volé un hélicoptère et vers les zones qui étaient affectées. And just to see the mountains. Et vraiment même pour nous voir et toutes montagnes, toutes ces routes pitiées. Many of which were damaged or blocked with landslides. Un peu là-dedans qui était ou bien endommagé ou bien qui était même bloqué avec éboulement. Is to be reminded of the challenge of accessing many many parts of the affected area. Ça fait nous voir pour qui ça que c'est tellement difficile pour nous vivre joindre certaines zones. We stopped in Maniche and spoke with families. Nous avons été dans Maniche et nous avons parlé avec plusieurs familles who have been devastated by the earthquake. Qui étaient vraiment très très affectées par le tremblement de terre. According to the mayor of Maniche, selon le maire Maniche, là, of the 9,800 homes in that area, de 9,800 cailles qui étaient dans la zone, more than 5,000 were destroyed. Plus que 5,000 là-dedans étaient déjà détruites. We saw a school that had been completely flattened. Nous voyons l'école qui vient plat par terre net. Putting at risk the start of the school year, of course, for hundreds of children. Ça qui vient bien sûr et endommager commencement année pour plusieurs centaines d'étudiants. We saw a health clinic that had been partially damaged. Nous voyons centre de santé qui était partiellement endommagé. And is now overwhelmed by need. Et qui quoi lié un qui tellement de monde qui besoin qui pas qui pas de place. And we met with families who are in
dire need of shelter. Et nous rencontrons des familles qui vraiment besoin en pile et abri. The needs that we encountered in Maniche. Et besoin que nous ouais de Maniche. As you well know, are being experienced by many, many families and citizens of this country. Comme vous connaissez, il y a plusieurs familles avec dans pays qui ont même besoin ça. We also met with USAID Haitian surge staff. Nous nous rencontrons aussi avec personnel USAID haïtien qui là pour leur réponse en état d'urgence. These are Haitians who were part of the immediate response effort after the earthquake. C'est les haïtiens qui étaient premiers sur place pour te répondre pendant l'urgence là. Joining with the Haitian civil defense and the Haitian government. Qui travaille ensemble avec Direction protection civile haïtienne et gouvernement haïtien. And all of the U.S. government responders. Et tout le monde qui était venu faire intervention pour le gouvernement américain. We have been able to assist or rescue through Medevac more than 450 Haitians. Nous venons d'être capables d'évacuer pour les médicaux plus que 400 haïtiens. And using U.S. government assets, deliver more than 200,000 pounds of vital aid. Pendant qu'on a utilisé toute capacité humanitaire, nous venons de faire plus que 200 000 livres d'assistance humanitaire. As we build on this initial response, I am pleased here to announce. Pendant qu'on a continué à bâtir sur la réponse initiale, ça, moi, très content pour m'annoncer aujourd'hui. That USAID will provide an additional $32 million as part of a broader American response. Que USAID pral bay mette sous côté $32 million qui pourra faire partie d'une réponse plus à long terme de gouvernement de USAID et de gouvernement américain. To support people here affected by the earthquake. Pour supporter monde qui affecté par tremblement de terre. The Prime Minister and I spoke about the Haitian government's sense of the priorities of the people. Premier ministre avec moi, nous sommes parlé de qui ça que gouvernement haïtien a comme priorité pour aider les haïtiens. And how not only USAID and not only the entire U.S. government, but the broader international community can best meet those needs. Et comment non seulement USAID, non seulement le gouvernement haïtien, non seulement le gouvernement américain, mais tout partenaire international est capable mieux adresser besoin ça. This $32 million of funding will provide additional shelter, health, food, water, and other urgent life-saving assistance. $32 million pour venir adresser besoins que nous avons en termes de abri, en termes de santé, en termes d'assistance alimentaire et pour en termes de pour réponse globale. I will close now in order to allow you to hear from others, but before I do, I just want to stress one thing. Moi pour finir là avant que nous parlions mais avant que nous finir avec et je dis m'tarmer et vraiment focus sur un bagage, souligner un bagage. We hear a lot about the lessons of the 2010 Haitian earthquake. Nous entendons parler en pile de quelles leçons que nous avons appris des tremblements de terre 2010 là. And perhaps the most important lesson is that no development agency. Et peut-être réponse qui le son qui est plus important, c'est que pas une seule agence de développement. And no army or diplomatic corps. Et ni aucune l'armée, ni aucun corps diplomatique. Can just import a perfect humanitarian response from afar. Qui est capable de juste importer une réponse humanitaire parfaite de l'étranger. You need local expertise and local leadership. Nous avons besoin d'expertise avec leadership local. To reach communities in need. Pour vraiment arriver à terme communauté qui vraiment besoin d'aide. And for years since 2010, we have been working to strengthen Haitian capacity. Et nous-mêmes, depuis 2010, on a travaillé pour augmenter capacité de réponse haïtienne. And the most important predictor of our ability to meet these needs is this ongoing partnership with the Haitian people. Et puis gros facteur qui peut permettre nous adresser besoin ça, c'est partnership nous, partenariat nous avec peuple haïtien. And that is not only true right now in this urgent life-saving phase. Et c'est pas seulement vrai pendant phase ça, pas urgent ça, but
as we go forward, mais aussi pendant qu'on avance, and begin planning and programming around recovery. Pour que pendant qu'on avance, planifier et faire programme pour redressement, pour reconstruction. United States Southern Command is here in full support of the U.S. government team leader, Administrator Power. Commandement Sud, l'armée américaine, là, en toute force, li, pour supporter le leadership réponse du gouvernement américain, l'administrateur Power. And supporting our U.S. Ambassador, Ambassador Sisson. Et supporter tout l'ambassadeur américain, Michel Sisson. Our focus has been to work closely with the team here to deliver the needed aid as rapidly as possible. Focus nous jusqu'à présent c'est que pour nous travail avec équipe locale nous pour nous capable livrer aide humanitaire le plus rapidement que possible. And as Administrator Power said, the sufferings we saw today indicates that we still have a lot of work to do. Et Jean Administrateur Power dit hein, toute souffrance que nous avons sur terrain montre nous que nous avons toujours un pile travail pour nous faire. We have a large number of helicopters, ships, bateaux, transport planes, et avions de transport, and importantly, willing and passionate people, members of my team, here to help. Et en plus de ça, mon équipement qui est vraiment passionné et qui vraiment envie d'aider. Our task force is led by Rear Admiral Keith Davids, and he works closely with the U.S. lead, Tim Callahan and Dr. Chandler. Group interagences dirigé par Admiral Davis qui travaille très près avec équipe de secours USAID. We're going to continue to work tirelessly. Nous pourrons continuer travail sans arrêter. To get the needed aid to the people of Haiti who deserve this help. Pour mener aide que nous avons besoin des Haïtiens qui besoin aide. And our hearts and prayers go out to all of you. Et tout cœur et toute prière nous avec nous. Et tout le monde qui est victime de l'humanitaire. All the people affected by this disaster. Avant de commencer, je vais demander Madame l'Ambassadeur. Before I start, I'd like to ask the Ambassador. Pour transmettre à gouvernement. To transmit to the U.S. government. Américain. And to the American people. Condoléances nous à sympathie nous. Our condolences and our condolences. Pour monde qui fait que mourir là ou qui blessé en Afghanistan. For the people who perished or who were injured during the attack in Afghanistan. Nous sommes pays qui ont pays qui n'ont situation difficile au point social, politique et économique. Our country is in a difficult situation both socially, politically and economically. Et tremblement de terre vient aggraver situation. And this earthquake came to aggravate everything. Dès premières heures, dès premières minutes. Tremblement de terre. From the first hour, from the first minutes after this earthquake, nous avons témoigné présence zami. I can testify that our friends were present. Qui viennent connaître ça nous gagne avant nous demander. They came to see what we needed before we even had to ask. En plus, ils viennent nous offrir nous aide. They came to offer their help. Pour nous chercher monde qui enterré en bas des combio. To search and rescue for people who were trapped under rubble. Du tremblement de terre. Every minutes after the earthquake. Nous voulons dire merci. And I want to say thank you. Nous gagnons un grand défi devant nous. We have a big challenge ahead of us. C'est que nous avons bon monde qui dans la rue. We have a lot of people in the street. Qui n'ont pas gagné caille. They don't have houses. Qui a subi intempéries. That are suffering from natural disasters, the rain. The rain is getting them wet, the sun is burning them. À situation ça rapidement. And we need to answer that, we need to address this nous as possible. And we thank our friends who have come to help us. Grande responsabilité nous envers peuple nous. And who has allowed us to take our responsibility in front of our people. Assistance que besoin. To find the assistance that they need. Nous dit l'union fait la force. We say in unity there is power. Nous apprécions solidarité zanmi nous. We appreciate the solidarity of our friends. Nous apprécions solidarité moun ka vive nan communauté yo. We appreciate the solidarity of people who are living in these communities. Et qui a plongé main bay youn lot. And who are extending their hand, their helping hand to their fellow communities. Si nous mettons nous ensemble, if we put ourselves together, nous capable rivé lever gros défi ça. We can address this big challenge.
Encore une fois, je vous dis merci pour phase aiguë, ça que nous avons bien vivre là. Thank you again for the help that you're providing during this very acute phase. Mais puis gros tâche que nous avons pour nous faire. But the biggest task we will have is in front of us. Et c'est ensemble que nous capable faire. And it's only together that we'll be able to achieve it. Puis grand tâche là, faut que nous remettions nos sous pied. Is that we have to redress these communities, put them back on their feet. Et que l'économie dans zone ça redémarre. And that the economy in these areas can start again. Nous avons grande préoccupation pour l'école Timonio. We are hugely preoccupied for the back to school season. Et nous remercions dès à présent Zamio. And we thank our friends right now. Décidé ban nous un coup de main pour que l'école reprenne. Who have decided to help us to help our students go back to school. M'a fini pour me dire tout merci. I will end to saying thank you. Pour que même avant demande ça que nous lancé. Even before pour aider nous prendre en charge urgence. To help us address the urgency. Gouvernement américain offrit nous on aide substantielle. The American government offered us substantial help. Enfin, m'a dit faut solidarité à continuer. Finally, I'm going to say that solidarity must continue. Et ensemble, nous rebâtis Haïti, un Haïti meilleur. And together, we build back a better Haiti. Lundi, qui était 23 août 2021, par ordonnance, doyen a désigné juge Gary Aurélien pour instruit dossier assassinat qui était fait sur personne président de la République là. Et Jovenel Moïse dans date, dans nuit 6 pour ouvrir 7 juillet. Donc on est, ça c'est prérogatif doyen, c'est article 97 décret 22 1995 relatif à l'organisation judiciaire qui balil. Article ça le fait de doyen, administrateur, tribunal de première instance que la dirigeait. Partant de principe ça, c'est doyen qui a distribué dossier par tout juge d'instruction. Et c'est lui-même tout qui a distribué affaire par toute chambre côté par l'audience. Donc on est immédiatement juge l'a nommé. Faut ça veut dire il a désigné ce dossier, faut qu'il prenne connaissance de dossier. C'est ça juge là. Dans le premier jour, nous avons juge là était plus concentré là sur son moyen avec sécurité qui a mis à disposition. On nous pour le moment ça on pas dit au résoudre à 100% mais on commence à résoudre le problème et moyen de locomotion pour juge là puis et agent qui affecté à sécurité personnelle juge là. Mais juge là hier il était venu, il était chita avec moi officiellement, il était prend connaissance de dossier pour te voir qui ça gain la donne pour capable à préparer les actes d'instruction que là ouais nécessaire pour lui poser. Comme hier nous te gagné problème clé nous pas ca joindre par greffier qui était avec juge que nous obligé désaffecter cabinet là. C'est ça fois aujourd'hui nous relayer un juge de paix. Après nous relayer des techniciens pour nous ouvrir bureau que nous bas juge là. Nous profiter faire constat, pour nous constater toute procédure là, toute démarche là. Après nous faisons inventaire de qui ça tout nous joindre dans bureau là. Avait dit juge là officiellement nous bas le bureau, nous bas le clé bureau. Avait dit il y a un bureau pour le travail. Il était avec moi, il était dit mais à partir de semaine prochaine il va commencer tant de monde dans le dossier. Avait dit officiellement juge là un bureau, ça veut dire qu'il a commencé à travailler. Est-ce que mon est obligé qu'on ait un juge là, là désigner un juge son dossier? Moi même ça j'ai monté n'a pas qu'à au prince en 2001 j'ai désigné moi comme j'étais dans même juge d'instruction. Mais immédiatement j'ai commencé, j'ai un gros dossier dans même moi. Ça veut dire son café, ou comment de conseiller avec Eneo? Pas un monde qui fait tout qu'on mais le monde n'a nommé, on va nommer comme stagiaire, on nommer comme juge. Ça veut dire depuis le juge prend décision. Moi même pas parler de qui dossier, mais là de nous même en 2001 son dossier cap des frères la connaît comme baptême des femmes de bon. Moi mais tout le monde dit de bien traiter lui. Des monde ont arrêté pour détention illégale d'avoir fait on bail qui cap des frères la connaît même des séjours correctionnels dans des liens puis la fin de rendre décision. Mais là ça moi la presse plusieurs jours d'a parler de lui. On dit juge là de faire travail. Juge là va obligé gain 20 années d'expérience pour traiter ton dossier. Bagaille toute connaissance est dans les vieux. Depuis juge là mettre le travail, il suit conseiller néo. L'el gen bagay li pa comprendre moi même ba son moun ki gen plus que 20 ans là na fè chaîne pénale mais moi même tout des fois m konn un cas d'espèce m konn rele un ami là m di comment le tel bagay pa droit c'est chaque jour apprendre un bagay la donne moi même gran pile expérience na fè pénale mais ça konn rive m rele un moun son point de droit m di là nou fon ti brasser li dessus li juge là li même tant comme te dit tout juge va remettre au travail c'est pas juge Aurélien pour moi qui a traité dossier c'est payer avant tout parce que l'homme on va attaquer
le président de la République dans la résidence officielle ou tuelle, son bagage qui est grave. Elle dit, en principe, on tue mon hôtel la ville, son bagage qui est grave, voir ses premiers citoyens nations. Ni plus grave encore, lors de ces des étrangers qui quittent le pays, qui transitent par l'autre pays, viennent tuer le président. Donc on a la guerre qui fait déjà à travers le monde parce que l'autre monde entre vient tuer le président. Ça veut dire c'est image justice nous à travers le dossier ça. Il faut que nous montrions justice nous en café. Gros procès. Ça veut dire chaque fois qu'on a parlé de gros procès, ou bien aller dans le passé, ou bien aller dans ce qui a passé à l'étranger, il faut au moins nous montrer nous avons justice qui est forte, qui est capable de traiter n'importe quel dossier. Pas gagner tout chap pour la justice, nous avons justice institutionnelle. Quel que soit mon lié, depuis qu'il fait bagaille qui n'est pas cadré avec la loi, il faut que justice arrive sur lui. C'est, tant qu'on dit juge, il y a intérêt pour tout le monde encadré. Juge Aurélien, c'est comme si c'est pas juge Aurélien. Non, nous avons tribunal de première instance de Port-au-Prince à travers le juge Aurélien. Échec, c'est échec tout juge. Succès, c'est succès tout juge. Tout. Ça veut dire qu'il y a intérêt pour nous encadrer. Moi-même, comme droit et comme aîné, moi-même à disposition, chaque fois que je besoin de conseil, je vais dire, mais qui ça vous le fait dans le dossier? Le juge d'instruction constitue à lui-même une juridiction. Ça veut dire, lui rend ordonnance qui est susceptible de recours. L'homme dit recours, appel, donc on est, le juge d'instruction rend ordonnance. Et parquet, il y a un délai de un jour franc à partir de la communication pour l'attaquer. Ni inculpé, ni parti civil, il y a un délai de 10 jours. Ça veut dire, juge d'instruction pour compter son juridiction. Elle rend ordonnance capable de faire recours contre décision. Donc, comme d'où, c'est. Tribunal de première instance avant tout, ce n'est pas juge Gary Aurélien, ouais, c'est tribunal. Quand on a souhaité tout salement de vous venir, bon, on ne peut pas étaler là dans la poste pour me dire mais salement de. Premier bagage, elle a besoin. C'est moyen pour le déplacer. Un dossier comme ça, c'est un dossier sensible, nous comprenons que il faut qu'il y ait un véhicule, une ou deux véhicules blindés. Nous comprenons qu'il faut que là ait des agents de sécurité qui à disposition. Mais l'autre disposition, le parle pour un personnel qui a un rapport à la famille, on ne peut pas arrêter là dans la presse. On m'a dit, je lui ai demandé tel bagage pour sécuriser la famille, il m'a demandé tel moyen, ça m'a pas dit, c'est juste la chita avec l'autorité qui l'a pour le moyen. Pour faire les mêmes, même d'accord, je ne vais pas arrêter pour me dire, c'est exposé juge là, c'est fragiliser davantage, je vais arrêter dans la presse pour m'a dit ça. Même qu'on ait une disposition qu'on prend pour satisfaire aux revendications, pour mettre les moyens à disposition du juge là. Bon, pas, on ne sait pas du jour au lendemain, tout le moyen va venir, mais on apprécie ça quand même pour nous voir comment c'est les moyens. Il y a l'autre réquisition qui a été faite. Qui était fait dans quatre dossiers, moi c'est faut que vous exécutez yo. Pour juger la sentir confortable. Par l'autre dit faut que mon en sécurité, sécurité à lier avant tout d'autres psychologiques. Sécurité c'est pas paquet mon azamou et des mon avec gilet pas balle. Faut mon en sentir en sécurité. Avle dit faut pas gagner une menace qui plane sur pour qu'on ait n'importe quel heure qu'à tenter à vous. C'est pas paquet mon nom avec des deux juges là non pas le sécurité. Mais tout faut que mon soit agressé qui pour repousser à ta place. En gros c'est ça. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.